two new players in the squad, Victor Lindelof, Romelu Lukaku. What do you like about them as players? Déjà Romelu, on le connaissait déjà, j'ai joué contre lui, donc on sait que c'est un très grand attaquant et qui va beaucoup nous aider cette année. Et Victor, je le connaissais pas trop, mais voilà, on voit déjà ses qualités aux entraînements et je pense qu'il va beaucoup nous apporter cette saison. Michael Carrick is the new club captain. Is he the perfect choice with so much experience? Pour moi, c'est un exemple. C'est vraiment, on va dire, comme un grand frère. C'est le plus ancien, il parle souvent aux jeunes, il essaie souvent de nous aider. Et je pense que c'est le bon choix pour permettre à l'équipe d'aller le plus loin possible. What are your ambitions and targets this season? What do you want to achieve? Mon but, c'est de gagner des titres, déjà. Et voilà, de jouer le plus possible. Parce que j'ai besoin de jouer, je suis jeune, j'ai besoin de jouer. Donc voilà, moi, de tout faire pour prétendre à jouer titulaire cette année. What message has Jose Mourinho given to the players ahead of the new season? Non, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que voilà, notre but, c'est de gagner le plus de titres possible. Comme on a essayé de faire l'année dernière, et on va essayer de faire ça encore mieux cette année pour remporter le plus de titres possible. The first big game we have is the European Super Cup against Real Madrid. How excited are you about the opportunity of winning that trophy? Ce sera un match compliqué, mais voilà, c'est à nous de nous préparer, à nous de nous préparer pendant ces matchs amicaux et d'être prêts pour pouvoir remporter ce titre que le club n'a jamais gagné. We loved your play fight with Joel Pereira, the video on social media. Are you happy with the win? And when is the rematch? C'est comme ça, c'était pour lui montrer que t'es qui le patron. Non, voilà, on aime bien s'amuser, on s'entend bien et voilà, on essaie de montrer aux gens qu'on est heureux, voilà. That video showed a special togetherness in the squad. Just how important is that bonding within the group? Je pense que dans un groupe, c'est important que tout le monde s'entende bien et aussi on a beaucoup de jeunes dans notre groupe, donc c'est bien pour nous. Donc après, c'est sûr, on a aussi les anciens qui sont là et je pense que ce mélange fait qu'on s'entend tous super bien. Je pense que c'est très important pour la suite de la saison. And is the big ambition to win the Premier League? C'est ce qu'on veut quand tu joues au football, c'est pouvoir gagner, c'est pas pour être deuxième ou troisième. Donc on va vraiment tout faire pour y parvenir et à nous de bien commencer la saison.